J'ai commencé le parachutisme en 2015, donc aux Ajoints, à La Roche, au club de Vendée Chute Libre. J'ai mon père et mon grand-père qui sont déjà qui sont parachutistes également. J'ai mon père qui lui est moniteur de tandem de parachutisme. J'ai commencé à sauter seul à 15 ans, en 2015 du coup. Mais j'ai fait mon premier saut en tandem à 11 ans. Et donc voilà, j'ai évolué petit à petit à La Roche au début. J'ai commencé à m'intéresser un peu aux différentes disciplines du parachutisme. Et voilà, déjà avant, je voulais faire de la compétition en fait. J'étais déjà intéressé par la compétition. J'avais mon père qui était en équipe de France avant. Et donc je me suis intéressé au vol relatif. Donc, vol relatif, c'est des figures à plusieurs, donc soit à 4 ou soit à 8, donc à plat. Et on a un programme de figures où on réalise un nombre de figures pendant le saut. Il faut en faire le plus possible en fait. On a 5 à 6 figures, il faut le faire le plus de fois possible. Donc en vol relatif à 8, c'est sur 50 secondes, c'est jugé. Et en vol relatif à 4, c'est sur 35 secondes. Premier championnat de France en mars 2017 en soufflerie. Là on a fini en 4e en National 2 en février 2018. J'ai été contacté par l'entraîneur. Il m'a appelé, il m'a demandé si j'étais intéressé pour entrer en équipe de France espoir. Donc moi j'étais très content, du coup j'ai directement dit oui. Donc voilà, on a fait entre 100 et 150 sauts à peu près dans la saison. Après on a participé au championnat de France en août 2018, du coup l'année dernière. On a fini 3e derrière les deux équipes de France A. Et donc après ça, vers décembre-janvier, j'ai été recontacté par mon entraîneur. Il m'a demandé si j'étais intéressé pour rentrer en équipe de France de vol relatif à 8. Et donc là, j'étais surpris parce que je ne pensais pas rentrer aussi tôt. J'étais jeune, je venais tout juste de rentrer en espoir. Parce que sachant qu'il y en a qui étaient avec moi en équipe espoir, qui étaient là depuis... Ça faisait 4 ans qu'ils étaient en espoir. Ils n'étaient pas encore rentrés parce que du coup, c'est par cycle. Je fais partie également du VR4 France A. Open, mais là cette équipe c'est plus là on n'a pas d'objectif en fait en VR4 parce que pour le moment les champions du monde ce sont les Belges et ils ont un très 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 haut niveau et pour l'instant on n'a pas les capacités à gagner le titre de champion du monde en vol relatif à 4 et c'est pour ça que du coup là l'entraîneur il a axé le projet sur le vol relatif à 8 parce qu'on a là on a nos chances en fait on est en bonne voie on va dire enfin on espère. Parce que l'objectif, c'est du coup l'or aux mondiaux en Russie l'année prochaine, en août. Depuis que je suis tout petit, je vois mon père, mon grand-père sauter. Moi, si j'avais pu sauter, monter dans l'avion à 8 ans, je serais monté. Enfin, c'est quelque chose qui m'impressionnait énormément. C'est cette adrénaline en fait, qu'on a en nous. C'est surtout en fait à la porte de l'avion quand on est là. On a l'avion, il avance à 100-150 km/h. Et puis on est là, on est prêt à partir. Et au moment où on part, on prend le vent et on sent cette accélération. Voilà, mais c'est cette sensation en fait de se sentir libre en fait sur l'air, de voler. C'est quand on part de l'avion, on sort accroché à 8. C'est quelque chose de... Enfin moi je suis en flotteur bas, ça s'appelle. Moi je suis premier à partir de l'avion, je suis accroché. Donc souvent, bah, du coup, moi, quand je pars, je vois tous mes coéquipiers partir. Donc c'est quelque chose, c'est super cool. On fait à peu près 10-15 jours d'entraînement par mois. Donc on se retrouve, on fait des semaines de 5 jours en général. Donc on se retrouve soit à Lille, le Pôle France est à Lille. Donc je vais souvent à Lille du coup. Et on va également à Pamiers, donc qui est en sud. Du coup je suis étudiant à l'université de Nantes là, à la Courtaisière. Donc je suis en DUT GEA. Et donc du coup en fait vu que j'ai le statut de sportif de haut niveau, on a des aides en fait qui sont mises en place par le ministère de l'Éducation. En fait quand je suis pas en cours, il faut que je rattrape les cours dans mon coin. Mais quand je reviens en cours, je refais pas les cours que j'ai loupés. C'est beaucoup d'investissement, ça coûte de l'argent. Moi, je travaille dans une entreprise volontaire. Voilà, je paye les parachutes. Donc, ça permet de gagner de l'argent pour payer mes sauts, tout ça. Et c'est ce qui m'a permis en fait, d'arriver où j'en suis aujourd'hui.
à côté, en fait, on se faut qu'on se maintienne physiquement. C'est plus dans la longueur, en fait. Par exemple, on va faire entre 10 et 15 sauts par jour. Et à la fin de la journée, ça commence à faire lourd. C'est fatigant, on le fait plus mentalement, en fait. C'est comme si on avait fait une journée entière au boulot et on sort, on a un peu mal à la tête et tout ça, on est fatigué. On n'a pas envie d'aller sortir, tout ça, on a envie de se reposer. En fait, on fait du sport pour tenir toute la saison, en fait, physiquement. Donc voilà, moi je fais du sport à côté, je fais du sport 4 à 5 fois par semaine. Je suis à la salle de sport, à la salle de musculation, je fais un peu de course à pied. Après au sol, avant de préparer, on a une préparation des sauts. Donc en fait on répète les sauts, donc on prépare les sauts, quelle figure on va faire pour un saut, et on répète sur des planches à roulettes. On est tous là, on répète les transitions plusieurs fois, on déroule le saut, tout ça. Et après avant de sauter, il y a une préparation mentale dans l'avion évidemment. On se redéroule le saut dans la tête pour pas avoir de trou de mémoire pendant le saut. Parce que si on a trou de mémoire, c'est un peu compliqué quoi, pour le déroulement du saut. Ça fait un petit bug, ça peut faire des désynchros, tout ça. Et donc voilà, la préparation mentale, c'est très important. Je suis initiateur vol relatif. Donc j'apprends aux jeunes. Jeune parachutiste à faire du vol relatif, donc du vol ce que je fais, à sauter à plusieurs, en groupe, à plat, à faire des figures. C'est cool d'apprendre des choses aux débutants. Même nous, ça nous apprend des choses parce que mine de rien, quand on sort de l'avion et qu'on doit gérer, il y a des choses qu'on doit gérer, qu'en équipe on n'a pas à gérer. Et du coup, ça nous fait travailler. Ce qui est cool, c'est de transmettre sa passion à la personne. Et donc, voilà, je pense que ça, c'est le plus important.